Olympiques, j'en ferai pas d'autres. Donc ce que je veux, c'est profiter de chaque instant, chaque entraînement, chaque match, chaque touche, je les vis à 200%. Bonjour Astrid. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Donc voici l'option qui permet donc, j'espère, de pouvoir focaliser à 200% sur la prestation. Celui-là, ce sera pour mon frère. Ce sera vraiment pour le localiser dans la salle de compétition ou dans le village olympique. Mes fleurets. Sans fleurets, je suis rien. Je risque pas de gagner. Donc ça, ce sera pour mes fleurets. Ce sera pour une personne de confiance. Ma sœur, avec mon traceur, elle sait exactement où je suis et à toute heure. Il peut me poser un problème, tu vois, le soir. Juste un dernier truc avant de partir, quand même, je vérifie. Donc c'est bon. Brice est dans la salle, il fait bien son travail depuis tout le temps. Et mes fleurets sont en contrôle. On peut y aller. Merci, Guille. Ah, donc bah, l'expérience a été très bonne avec le device puisque la prise en main était très facile, l'utilisation également. J'ai tout de suite pu accéder aux bonnes informations, celles dont j'avais besoin, c'est-à-dire où était mon frère et où étaient mes fleurets. On traite une quantité d'informations phénoménales dans le sport, toutes ces informations elles sont corrélées, elles sont au service de notre performance, donc je pense qu'il y a un vrai usage et il y a un véritable bel avenir pour l'internet des objets connectés dans le sport. Je trouve que j'ai un device actuellement dans mon sac à main, donc effectivement, si jamais on me pique mon sac à main, je saurai où est le voleur.